Salut Isabelle. Salut Franck. Bienvenue sur Supermoi TV. Je suis enchantée de faire partie de cette aventure. Je suis arrivée en Bretagne il y a 22 ans. Je suis originaire d'Autriche et j'ai d'abord travaillé pendant une bonne quinzaine d'années comme guide conférencière, guide touristique pour faire découvrir la Bretagne, donc un public surtout étranger. Et parallèlement, depuis plus d'une trentaine d'années, je pratique du yoga. Et en fait, pas que du yoga postural, parce que pour moi, le yoga, c'est bien plus que faire des postures. Mmh. Et ça dépasse largement une activité physique. Et si on, par exemple, on se base sur les Yoga Sutras de Patanjali, il y a 8 branches du yoga, dont les asanas, les postures, c'est juste une de ces 8 branches. Mmh. Et le yoga, c'est avant tout un cheminement en conscience, et c'est un chemin vers soi, une découverte, et c'est aussi une discipline de vie, une discipline de vie, ouais. Et ça se pratique dans la vie quotidienne de tous les jours aussi, mmh. Et aussi dans une meilleure connaissance de soi. Ouais. Donc, pendant des longues années, je pratiquais donc du yoga pour moi. Et suite à la crise du Covid, mon activité de guide touristique était totalement arrêtée parce qu'il n'y avait plus de touristes et plus de public étranger. Et donc, j'avais soudainement beaucoup de temps. Et j'ai utilisé ce temps pour m'orienter carrément vers... de donner des cours de yoga aussi. J'ai fait une formation pour devenir sophrologue, d'associer la sophrologie au yoga. Dans le sophro-yoga, on fait des postures beaucoup plus adaptées à la morphologie de tout le monde. J'ai des personnes jusqu'à 80 ans et plus qui viennent et qui on respecte leurs limites et on les parfois accommode avec des supports. Je peux, je peux faire des postures sur chaise, je peux faire des postures avec support, mais respirer, tout le monde a la possibilité de respirer et c'est tellement précieux. De découvrir cette amplitude du souffle, de mettre de cette fluidité dans le corps à travers la respiration. Et donc, c'est un des piliers des exercices de respiration. Et je suis convaincu du coup qu'il y a des gens qui sont surpris en fait d'eux-mêmes, des choses qu'ils peuvent lâcher, aussi bien physiquement que dans la tête. Oui, c'est étonnant parce que les retours que j'ai parfois, des gens qui osaient à peine venir parce qu'ils disent, je ne suis pas bien dans mon corps, je n'ai pas l'habitude de bouger. Et déjà, l'amplitude qu'ils arrivent à gagner, développer, en assez peu de séances, ils arrivent à plus de mobilité et en plus, ils redécouvrent leur souffle. Ouais. Et on remonte en inspirant. On expire, on descend. Laissez descendre les fessiers surtout, oui. Montez, inspirez. Très bien. Tirez avec vos coudes en avant pour étirer le dos. Remontez. Et encore une. Les postures, ça dépend. Des fois, c'est facile, mais des fois, c'est plus difficile. Ouais. Par rapport à... Moi, j'ai une dissociation et puis, comment on appelle ça? J'ai une broche et 8 vis dans le pied gauche. D'accord. Et j'ai le bas du dos soudé. Mmh. Et bon, là, moi, les séances que ça m'a apporté par rapport à la respiration. Mmh. Maintenant, je sais que je respire bien. Ça m'a appris aussi à savoir que mon pied, j'ai pas mal. Ok. Voilà. Et à savoir que bon... T'as senti une progression? Ah oui, non. Ouais. Et puis, mon bas du dos, il est soudé, donc je fais ce que je peux. Mmh. Voilà. Et pour moi, ça m'a apporté beaucoup de bien, de fluidité. Puis justement, si on a mal quelque part, c'est là qu'il faut le travailler. Mmh. Et souvent, en général, on ne le fait pas. Mmh. On reste bloqué sur l'endroit qui fait mal. Ouais. Voilà ce que je peux dire. Ça parle à quelqu'un, ça? Ce corps, finalement, qui est parfois plus ou moins dur à faire bouger et qui s'invite, en fait, finalement? Oui, moi, je pense que ça m'a permis de mesurer tout ce que j'ai perdu en faisant pas grand-chose que je faisais, mais que je suis plus capable de faire. Enfin, j'ai du mal à faire. Peut-être ça reviendra. Hein. Mmh. Je me
pas trop déduisant quand même. Hein. C'est à l'âge aussi. Mmh. Une fois c'est coincé. Ouais, la foi d'être, d'être gentil avec soi aussi, quoi. Parce que on est là. Il ne faut pas l'être trop parce que c'est ça. J'en suis arrivé là où je suis arrivé. C'est-à-dire que il y a des trucs que je peux pas faire, j'ai du mal à faire. Quoi. Mmh. Et est-ce que tu sens une progression aussi? Oui, je pense. Mais pas seulement physiquement, dans ma tête. Dans... D'accord. Ça fait du bien, ça me soutient. Ça me... Ah, ça te soutient, ouais. Ouais, c'est. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se dire que finalement, les postures de yoga, enfin, la sophro-yoga, comme on a fait là, c'est pas que le corps, en fait, c'est aussi la tête. Ah, moi, c'est surtout pour la tête que je cherche ces choses. Trouver un sens à tout ce que je fais, la vie. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. Jean-François, tu veux dire quelque chose? T'as quelque chose qui te parle ou pas, toi? Oui, c'est à peu près pareil que faire. Ouais. Parce que on a la même vie pratiquement, et c'est vrai que ça nous oblige à venir, déjà ne serait-ce que de venir. C'est une, enfin, ça devient un automatisme, et on peut ensuite, autour de cet automatisme, songer plus à soi qu'on ne le fait dans si au quotidien, si on, presque, si on fait rien. Okay. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que des fois je me dis qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas très envie, on se réveille pas toujours comme on veut, ouais. Et puis quand on y est, ça, il y a déjà un groupe, ce qui est très intéressant. Et puis savoir que qu'on est tous à peu près pareil, quoi. On arrive à un âge où on essaie. Hier, on a fait une balade. Eh bien, tout d'un coup, quand je suis arrivé à la maison. Je ne dis pas que j'ai failli m'évanouir, mais enfin, ça s'est mal passé. Et ce matin, quand il a fallu que je me réveille et que je vienne là, je me suis dit comment ça va se passer. Ouais. Et ça s'est très bien passé, donc c'est autre chose. Et enfin voilà, je pense que. Merci de ça. J'ai à peu près tout dit. Qu'est-ce qui a envie de rajouter quelque chose, Mathias? T'as envie de dire quelque chose ou pas, toi? Il y a quelque chose qui te vient? Ou pas? C'est sûr, quand on sort du cours de yoga d'Isabelle, après, au sophro-yoga, on est calme, posé. Ouais. En tout cas, c'est ce que tu ressens, toi? Ouais. Oui. C'est un besoin que je recherche. Ouais. Un besoin de profond. De... Je pense, que comme dit... Marie-Thérèse. Ouais, comme dit Marie-Thérèse, au niveau du psychisme, ça libère. Ça libère beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions qu'on peut accumuler dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours. Donc, du coup, ça libère. Merci de ça. Merci à tous. Il y a une chose que je pourrais dire aussi, c'est que les doigts de pied s'écartent. c'était compliqué avant. J'ai dit mon premier prof de yoga, Jérôme, m'avait dit ça. Ouais. Pieds s'écartent. Et au lieu d'être tout serré, ils ont plus d'espace. Ils s'ouvrent eux aussi. Oui, puis il y a aussi le phénomène qu'on n'est pas dans une salle de sport. Donc ça aussi, ça aide. Ouais. Parce qu'il y a une certaine bienveillance. L'environnement, bienveillance. Le plus petit groupe aussi, non? Maximum 6. On est au début du printemps, donc je suis à la fin d'un cycle de cours à l'intérieur que j'ai proposé depuis le mois de septembre jusqu'à fin avril, où on a fait donc les cours à l'intérieur chez moi. Ouais. Et maintenant, on va passer à autre chose. On va déplacer tous ces cours à l'extérieur. Donc, je vais choisir des endroits
particulièrement inspirante dans les alentours de Baden, à la pointe du Blair, ou à la chapelle de Becquerel, au tronc à Plougomelen, pour faire des sciences donc en plein air. Et en même temps, je propose aussi des stages sur 4 jours à la presqu'île de Quiberon, donc au relais de l'océan à Portivy, donc au début de la presqu'île, un endroit magnifique avec les pieds dans l'eau, un petit endroit génial, formidable, où on va vraiment expérimenter donc ce lien avec les éléments, avec l'océan, avec l'air, avec le soleil aussi, puisque c'est merveilleux de se connecter au soleil aussi, surtout au printemps, d'assister consciemment à un lever de soleil, cette lumière qui jaillit à l'horizon et qui va éclairer notre journée et aussi notre jardin intérieur. Alors ça donne beaucoup de possibilités, et en même temps donc on va donc faire du yoga, on va faire des exercices de sophrologie, faire de la marche pendant la journée, donc des randonnées en marche consciente, donc aussi très consciente de la respiration, et puis on va visiter des sites énergétiques, des sites sacrés de notre héritage mégalithique. Ça abonde ici dans le Morbihan, c'est donc clair, sur la presqu'île de Quiberon, à Carnac, à Erdeven, et aussi nous connecter à ces lieux, à cette énergie, au symbolisme de la pierre levée. C'est quand même quelque chose de très fort, de la symbolique d'une pierre levée, une pierre dressée. Qu'est-ce qu'elle représente, comment ça nous parle, comment ça parle à tout un chacun. Et alors il y a des expériences intéressantes à faire. Alors ça va démarrer quand? Donc il y a un stage qui aura lieu du 12 au 15 mai. D'accord. Où il y a encore quelques places, on peut encore s'inscrire. Ok. Et puis il y aura un autre en septembre, début septembre. Ok. Est-ce que c'est ouvert à tout public? C'est ouvert à tout public, on va s'adapter. Pour le moment, j'ai des inscriptions des personnes qui sont justement pas habituées à faire du yoga. D'accord, oui c'est ça, il n'y a pas besoin d'avoir une pratique déjà non, du yoga. On n'a pas besoin d'avoir une pratique régulière du yoga. Il faut quand même avoir un minimum de santé, de souffle pour pouvoir participer aux randonnées. D'accord. Mais quoique, on peut aussi, si les randonnées sont trop longues, parce qu'on va faire quand même des randonnées de entre 4, 6, 7 kilomètres. D'accord. Si c'est trop long, on peut raccourcir et joindre les différents points de la randonnée en voiture. Suivre donc avec un véhicule si c'est... D'accord, si on a plus de difficultés à la marche. De difficultés. Mais c'est quand même prévu qu'on marche ensemble et que... On s'arrête à des différents endroits qui sont inspirants pour respirer en conscience et pour faire aussi des exercices de visualisation, des exercices d'explorer la conscience et voir ce qui va émerger. C'était un appel pour toi d'utiliser encore plus la nature dans tes pratiques? Ah, depuis toujours, parce que ça c'était ce qui m'a le plus... touchée de la Bretagne. Quand je suis arrivée ici, et j'étais encore très jeune, lors d'un voyage un peu à l'improviste, et ça fait une résonance très forte. J'avais peut-être 22 ans à l'époque. Je ne savais pas à l'époque que j'allais finir vivre ici. C'est fou la vie, hein. C'est très très surprenant, mais j'ai eu des expériences. Tu te souviens d'une image en particulier, non ou pas? Oui, ce que j'ai vécu, c'était surtout au Finistère à l'époque. C'était vraiment en Finistère, dans les monts d'Arrée, dans vraiment la Bretagne profonde. Et puis après, la vie m'a emmenée ici, dans le Morbihan. Et c'est juste un endroit merveilleux parce que c'est riche. En même temps, il y a cette douceur dans tout ce qui est le golfe, je trouve ça très protégé.
Hein, c'est très féminin, c'est comme un utérus quelque part, ce cocon protecteur. C'est enveloppant. Ouais. C'est enveloppant. Ouais. Et puis j'aime bien comme énergie complémentaire la presqu'île de Quiberon, qui est très young, qui est forte. L'action, quoi. C'est cette action, ouais. cette force, ouais. avec la côte sauvage qui est vraiment face à la puissance de l'océan. Ouais. Et on a cette complémentarité. Complètement. Du yin et du yang, du masculin, du féminin. C'est très complet. Mmh. Et c'est pas pour rien que le peuple des mégalithes a implanté ces monuments ici et ouais, pas ailleurs. Endroit. Et ouais. qu'on a il y avait des dizaines de milliers. Il en reste encore autour de 4000 mégalithes dans les environs. Mmh. Mais à l'époque, il y en avait plusieurs dizaines de milliers ouais. de pierres levées. Ça nous interpelle. C'est quand même un grand mystère. Cette particularité du lieu ici, ils Complètement. Auraient pu le faire ailleurs. Et oui, il y a une magie des lieux et que j'ai bien envie de faire partager aussi aux gens qui viendront. Donc, avec une autre approche, parce que bon, comme guide touristique, je l'ai fait des longues années. Oui, c'est ça, avec ta nouvelle histoire aujourd'hui, quoi. C'est ouais. ça, là, ouais. maintenant, j'aimerais apporter un plus de l'expérimenter, pas seulement de façon intellectuelle où je présente et je parle de l'histoire et je parle de qui a fait quoi et comment. Mais laisser venir l'intuition aussi, laisser venir ce qui vient. L'intuition, de ouais. l'expérimenter par nos ressentis, ouais. de les laisser agir sur nous, de prendre le temps de voir ce que ça éveille en nous. Ouais. Donc c'est complémentaire aussi, les deux sont intéressants. Les connaissances aussi, ça nous apporte des éléments, mais ça reste limité. Le reste, il faut que chacun l'apporte. Exactement. Tu as encore, j'imagine, plein de choses à visiter. Quand je dis visiter, c'est d'aller rencontrer, cheminer avec toi, avec les autres, etc. Il y a d'autres projets qui te font vibrer aussi, toi? Oui, j'aimerais bien proposer aussi des randos sophro, mais ponctuels, juste peut-être pendant 2 heures, de passer 2 heures ensemble sur un sentier côtier ou en forêt, avec quelques exercices de respiration, de connexion à la nature et un peu de marche. Et ça, je vais donc les proposer prochainement. Dès que mes cours, mon cycle de cours sera fini à la maison, tout ouais. ça dure encore jusqu'au oui, c'est donc sur la page Facebook de Harmonie Corps Esprit Bretagne, ouais. et aussi sur mon site web avec le même nom, Harmonie Corps Esprit. On mettra le lien ouais. sous la vidéo pour que les gens puissent retrouver. Bon, c'est facile à se rappeler, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit c'est pas mal. En Bretagne. C'est alors ça. Harmonie Corps Esprit Bretagne. Et vous savez un peu tout ce que je peux proposer. Mais là, ça sera surtout des choses dans la nature. Donc, entre des séances de yoga classiques, parce que j'en propose aussi. Hein, donc, je l'appelle le green yoga, parce que la formation que j'ai faite, c'est un yoga assez complet aussi qui accorde une grande importance à l'énergétique, à toute la partie énergétique et lien avec la nature, suivre le cycle de la lune, suivre le cycle de la nature. Donc c'est le green yoga, avec un yoga assez tonique et fluide. Puis il y a le sophro yoga, donc plus en conscience avec moins de posture. Et il y a des marches sophroniques en rando sophro ou les stages à Quiberon. Il y a une. Est-ce que tu as l'impression que tu as. Est-ce qu'il y a un équilibre alors c'est une question qui est à la fois un peu intime, je trouve, mais je vais oser te la poser, c'est pas grave. Est-ce que. Tu as l'impression que tu as un équilibre, toi, aujourd'hui, entre ce yin, ce yang? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin par rapport à ça? Est-ce que tu sens qu'il y a aussi une évolution chez les uns, chez les autres, sur ce rapport-là, justement, à accueillir plus, parfois chez les hommes, le féminin, et chez les femmes, du masculin aussi? Est-ce que ça te parle? Tu as envie d'aborder ça, pour terminer? Ah oui, je pense qu'on s'oriente tous vers ça, à devenir, quelque part, des êtres androgynes. Et
c'est fini maintenant les rôles classiques de l'homme et de la femme, et c'est pas pour rien, parce qu'il faut qu'on devienne des êtres complets, et qu'on soit tant dans l'action et dans le rayonnement, comme aussi dans les ressentis et, et dans le retour vers soi, dans la sensibilité. Et je peux inviter tout le monde de faire chez soi, si on peut, cette expérience d'assister au lever de soleil. Parce que c'est un moment magique où on peut expérimenter les deux. On sent ce rayonnement du soleil, du nouveau jour qui se lève, cette lumière qui jaillit. Et en même temps, la Terre, elle est tellement réceptive. Elle reçoit cette énergie, ce prana. Nous aussi, nous pouvons nous mettre dans cet état total de réceptivité, comme voir et absorber ces rayons de lumière qui nous arrivent. Et développer donc cette sensibilité face à la lumière qu'on reçoit. Et en même temps, après, nous-mêmes, nous allons devenir des soleils. Émetteurs, On est comme des piles. D'abord, il faut se recharger, mais après, on envoie. Et on envoie ça dans le monde et on l'envoie dans notre entourage. Et c'est vraiment cet échange de prendre ce que l'univers nous offre avec gratitude et une énorme gratitude et amour. Mais après, on ne va pas le garder pour nous. C'est ça, on le partage. Et on n'a même rien à faire, ça jaillit. Ouais. C'est comme une source qui coule. Hein. Source qui coule et on laisse couler. Et ça fait grand bien. Et c'est contagieux. Hein? C'est contagieux parce que les personnes qu'on rencontre, ils vont prendre un peu, ils vont passer le relais. Ouais. Et le laisser. Je ne l'avais pas vu comme ça. Tu vois, c'est intéressant la manière dont tu l'expliques. Avec ce lever du soleil, je trouve que c'est... En tout cas, moi, ça m'inspire en tout cas par rapport à ça. Ouais. Ah oui, c'est très... Et surtout les levers de soleil au printemps, toute cette période, on n'a qu'à voir comment réagit la nature et pourquoi elle réagit comme ça. C'est parce que le soleil envoie quelque chose de très particulier et ça fait jaillir de la nouvelle vie. Tout est là. On n'a qu'à sortir. Le matin, c'est très fort. Le prana, c'est toujours beaucoup plus fort et plus subtil et plus intense. Tôt le matin et là de toute façon le soleil s'élève relativement tard, donc c'est à la portée de c'est tout le monde. Ça et si oui c'est je vous recommande vivement et puis c'est gratuit en plus c'est à la portée de tout le monde, c'est ça. Et parfois on oublie le soleil avec, et pourtant il est là même pas même si parfois il est caché, il est toujours là quoi. J'ai vraiment envie de te remercier Isabelle pour ce moment là de tout simple en fait. Finalement, comme parfois on se complique tellement de choses, on a tellement envie parfois d'être dans le mental, dans le contrôle finalement. Et là, juste de partager un moment, tu vois, là, assis, tranquille, dans ton jardin et partager ton univers, ce que tu as envie de transmettre aussi du coup. Donc, merci de ce cadeau. Et merci à toi, Franck. C'est vraiment un cadeau de la vie parce que la semaine dernière, on ne se connaissait pas encore. C'est ça. C'était une coïncidence assez insolite qui a fait qu'on s'est rencontrés. Complètement. Et on s'est dit, bon, voilà, on va mettre ça en mouvement. C'est ça. Et en action. T'as envie de rajouter un petit quelque chose ? Que du bonheur et merci pour ce moment. Merci Isabelle, plein de belles choses à toi.